Dans ses notes, Philibert évoque des lieux de culte païens sur lesquels on aurait construit des églises ou des chapelles. Si c'est le cas du sanctuaire qu'il cherchait, il en existe peut-être un près d'ici. J'ai le sentiment d'être sur la bonne voie. Pourtant, il me manque un élément essentiel. J'ai peut-être ce que tu cherches, mais avant... Ne t'inquiète pas pour cet étourdissement. Il va vite se dissiper. À moins que tu ne sois très sensible au poison, chère Madeleine. Quoi ? Je t'ai fait avaler quelques gouttes d'une préparation, disons, particulièrement néfaste. Si tu coopères, je te donnerai l'antidote. Dans le cas inverse, tu ne seras qu'une victime de plus. Comment faire confiance à un assassin ? Tu n'as pas le choix. Je ne sais pas exactement ce que tu as trouvé dans les affaires de Philibert, mais je suis sûr que tu cherches la même chose que moi. De quoi parlez-vous ? Ne perds pas ton temps. Tu n'en as plus beaucoup. Il y a un sanctuaire quelque part sous ce château. Il contient sûrement un trésor. Et vu comme tu t'intéresses de près aux recherches du défunt Philibert, tu as sûrement une idée de comment le trouver. Non, je ne sais pas du tout où il peut être, ni même s'il existe vraiment. Mais si, le bibliothécaire n'était pas homme à s'emballer sans raison. Il y a de grandes chances qu'on puisse y accéder par cette chapelle. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Regarde ce que j'ai trouvé sur l'autel. Je suis sûr que ça a un rapport avec le trésor. Thank you.
Le poison commence à m'affaiblir. Je dois me dépêcher.
Comment un homme de Dieu peut-il s'abaisser à de tels crimes? Par intérêt autant que par conviction. Allez, maintenant assez parlé, si tu veux vivre, tu dois trouver mon trésor, et le temps presse. Avez-vous remarqué des inscriptions étranges dans un alphabet très différent du nôtre? Comme sur les chapiteaux, par exemple? Peut-être, je vais voir. Encore. Décidément, ça ne s'arrête pas. Ça doit bien être le 12e en quelques jours à peine. 12? Vous en êtes sûr? Il me semble bien. 12 fois sonnera l'hécatombe. Et si la prophétie faisait référence à des tremblements de terre et non à des décès? Ces quatrains vont donc peut-être finir par se réaliser? Pourquoi avoir tué Philibert? Une victime plus proche de la reine Catherine aurait mieux collé à la malédiction. Nous nous étions déjà rencontrés il y a longtemps. Il risquait de me faire soupçonner s'il révélait dans quelles circonstances. Et puis, je savais qu'il n'était pas ici par hasard. Il a toujours couru après des vestiges antiques. Je pouvais donc servir la malédiction et trouver un trésor. Comment résister? À vrai dire, j'ai failli abandonner. Jusqu'à ce que je comprenne que toi aussi, tu étais sur les traces du butin. J'ai alors décidé de te laisser chercher pour moi. Sans l'antidote, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Cette fois, je crois que c'est fini. Décidément, tu auras failli à tout. Incapable de trouver mon trésor, ni de sauver qui que ce soit, pas même ta propre tête. Adieu, Madeleine.
Pourquoi avoir tué Philibert? Une victime plus proche de la reine Catherine aurait mieux collé à la malédiction. Nous nous étions déjà rencontrés il y a longtemps. Il risquait de me faire soupçonner s'il révélait dans quelles circonstances. Et puis, je savais qu'il n'était pas ici par hasard. Il a toujours couru après des vestiges antiques. Je pouvais donc servir la malédiction et trouver un trésor. Comment résister? À vrai dire, j'ai failli abandonner, jusqu'à ce que je comprenne que toi aussi, tu étais sur les traces du butin. J'ai alors décidé de te laisser chercher pour moi. Encore cette figure. Les chiffres inscrits sur le verre sont placés au bout des branches du pentacle, comme sur la gravure de Jean Aimé.
Le poison commence à m'affaiblir. Je dois me dépêcher. Comment un homme de Dieu peut-il s'abaisser à de tels crimes? Par intérêt autant que par conviction. Allez, maintenant assez parlé, si tu veux vivre, tu dois trouver mon trésor, et le temps presse.
Sans l'antidote, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Cette fois, je crois que c'est fini. Décidément, tu auras failli à tout. Incapable de trouver mon trésor, ni de sauver qui que ce soit, pas même ta propre tête. Adieu, Madeleine.